Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers inconditionnels de Gao Info, bonjour et bienvenue sur votre émission Invité du jour, une émission des programmes de Gao Info. Invité du jour de soir, ce jour, monsieur Ablaye H. Bokoum est le directeur régional de la culture de Gao, un homme de culture, homme de lettres, monsieur Ablaye H. Bokoum est également président de la Ligue de basketball de la région de Gao. Monsieur Bokoum, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Ok, merci bien. Donc, je profite de votre plateau pour remercier tous vos téléspectateurs. Remercier également toute la population de Gao qui nous suit en ce moment-là. Ablaye H. Bokoum, c'est Ablaye Hamadoun Bokoum, natif de Gao, enseignant de profession, donc professeur d'anglais, sportif, footballeur précisément, et administrateur de basket, voilà, 23 ans. Administrateur et président de la Ligue de basketball. Présentement, président de la Ligue régionale de basketball de Gao. Monsieur Ablaye H. Bokoum, vous êtes le directeur régional de la culture de Gao. Comment se porte la culture à Gao? Bon, merci bien. La culture à Gao, à l'instar des autres régions, se débat tant bien que mal. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la Première République, qui a vu les autorités politiques, en tout cas mettre nos valeurs culturelles en exergue à travers les rencontres des Semaines nationales de la jeunesse, en passant par la Biennale artistique et culturelle, nos valeurs culturelles ont été toujours mises en avant pour en tout cas rehausser notre identité à travers nos passages sur les plateaux. Alors, depuis la crise sécuritaire que nous vivons, la culture de Gao, à l'instar des zones du Nord, a été fortement entamée. Et cela s'est manifesté, tristement d'ailleurs, par l'incinération des instruments de musique de l'orchestre en 2012, avec la privation, n'est-ce pas, de toutes les manifestations artistiques et culturelles par les occupants d'alors. C'était des moments vraiment qui nous ont fait regretter vraiment ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu de nos ancêtres. Donc notre identité culturelle a été vraiment ébranlé, et cela a donné à réfléchir. Donc, comme j'ai dit, la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout perdu. Et nous nous sommes battus pour rester nous-mêmes. Et je crois que c'est le lieu de remercier la jeunesse de Gao à l'époque qui s'est battue pour faire, en tout cas, pour faire vivre cette culture, à travers surtout la protection de notre âme, qu'est le tombeau des Askias. Donc, comme j'ai dit, la culture est là. Nous tentons, tant bien que mal, à résister, à être résilients et à porter notre identité culturelle partout où cela est demandé. Monsieur le directeur, vous avez parlé du passage des occupants terroristes dans la région de Gao, qui ont eu pour conséquence la destruction de certains instruments culturels de Gao. Après le passage des occupants terroristes, qu'est-ce qui est resté ou qu'est-ce que vous avez fait pour restaurer ce qui était perdu? Voilà, merci bien. Donc, les occupants, vous savez qu'ils sont restés après une dizaine de mois. Alors, quand ils ont été chassés de la ville, alors le service technique que nous représentons, après notre retour à Gao,
nous sommes attirés tout de suite à reconstituer cet élément qui a été détruit, qui est l'orchestre. Donc là, au niveau de la direction, nous avons réfléchi et nous avons monté un projet au niveau de l'AMINUSMA qui nous a financé et nous avons pu avoir un orchestre. Et à côté de cet orchestre, en tout cas donné par, financé par l'AMINUSMA, nous avons eu également un journaliste allemand qui était passé. Et là également, il nous a offert un orchestre que nous avons eu la gentillesse de donner au cercle de Bourem à l'époque. Voilà, donc pour réconcilier vraiment ce patrimoine qui a été vraiment brûlé. Et ces orchestres, ils sont fonctionnels présentement à Gao? Bon, présentement, c'est vrai que, comme j'ai dit, nous essayons tant bien que mal de résister. C'est vrai que nous avons des petits problèmes à travers les ressources humaines que nous sommes en train de combler petit à petit. À côté de ceci, quand vous prenez les autres composantes de la population, des communautés, nous faisons vivre vraiment notre culture. Parce qu'à travers les rencontres intercommunautaires, à travers en tout cas, les manifestations culturelles, nous ne nous sommes pas laissés, en tout cas, abattus par vraiment ces idées obscurantistes. Parce que, comme je l'ai dit, la culture, c'est notre âme, c'est notre identité. Nous ne pouvons pas nous départir de cela. Donc, nous allons, vaille que vaille, en tout cas, nous affirmer notre identité culturelle. Et cela se fait pratiquement le long de la semaine, le long du mois. Les gens s'affirment, les associations s'organisent pour vraiment faire, en tout cas, rehausser cette culture-là. Monsieur le directeur, vous avez parlé du tombeau des Askia. En dehors du tombeau des Askia, quels sont les grands sites touristiques de la région de Gao? Bon, le tombeau des Askia, c'est d'abord un monument classé patrimoine mondial depuis 2004. À côté du tombeau, vous avez le site de Gao Sané, qui est classé patrimoine national. Vous avez également le site de la mosquée de Kankou Moussa qui est classé également patrimoine national. À ceci s'ajoute la dune de Koïma. Vous avez l'île de Gounzouré. Vous avez, comme on le dit, beaucoup d'autres sites qui n'attendent qu'à être vraiment mis en valeur. Parmi lesquels, vous, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Parmi lesquels, comme j'ai dit, je vois tout de suite, par exemple, les peintures rupestres d'Arhabou. Vous avez également le fort de Bourem. Vous avez le site de Sourgo et Gabibou. C'est des sites qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vers une décentralisation. Et je crois que les collectivités, si réellement elles s'y mettent, vraiment en faire des sources de revenus pour vraiment booster le développement au niveau des communes. Monsieur le directeur, comment est-ce que vous arrivez à faire l'entretien, le suivi et faire connaître ces sites en cette période d'insécurité? Effectivement, j'avais pris l'exemple de la jeunesse de Gao à travers une association qui aujourd'hui c'est le lieu de les remercier. Il s'agit de l'association Alanga, dirigée par Aplé Bonkana, qui est actuellement le directeur du musée du Sahel de Gao. Une association qui s'est battue, et je peux même dire que dans le classement du site de Gao Sané, cette association s'est beaucoup, n'est-ce pas, illustrée dedans. Et ils sont en train vraiment de faire beaucoup d'activités qui vont dans la réhabilitation de notre patrimoine culturel. Et cela à travers beaucoup de manifestations. Et présentement, je crois qu'ils sont même sur un projet au niveau de la ville de Gao où ils sont en train de passer dans les différents quartiers pour vraiment, à travers le jeu Alanga, essayer vraiment de fédérer toutes les communautés pour montrer qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par notre culture pour vraiment atteindre cette cohésion sociale. Ce vivre ensemble que nous avons connu et qui est en train de nous fuir. Donc cette association, comme je l'ai dit, est en train de se battre pour vraiment
essayer d'être ce paravent, cette carapace qui va s'opposer, qui va être l'interface entre les envahisseurs ou bien les destructeurs de notre culture. Donc vraiment, les populations s'investissent par rapport à ça. Et au niveau de la direction, comme j'ai dit, nous avons ce rôle d'appui-conseil. Chaque fois que nous sommes approchés, nous leur donnons notre vision, comment est-ce qu'il faut essayer quand même de sauvegarder ce que nous avons de plus cher qu'est notre culture. Et vous avez parlé du jeu Alanga, qui est un jeu traditionnel songoui. Est-ce qu'en dehors de ce jeu Alanga, y a-t-il d'autres activités culturelles dans la région présentement? Bon, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes en train de c'est pas bon, presque une sorte de renaissance. Parce qu'aujourd'hui, la jeune génération qui est là n'a pas connu ces jeux. Donc, à travers Alanga, et je crois que la dernière fois, ils ont fait une activité qui a regroupé presque toutes les communautés. Et nous avons eu la chance de leur rappeler qu'il y a d'autres jeux qu'il faudrait que... tels que Teli, Wali, Soto, Tugum Tugum, ainsi de suite. Donc, c'est des jeux qui ont bercé quand même notre jeunesse et qui ont fait qu'on n'était pas préoccupé par autre chose que d'être vraiment dans un monde ambiant où vraiment... c'est vraiment entre frères et sœurs, bon voilà, on pouvait passer le temps par rapport à ça. Donc c'est des jeux qu'il faudrait voir comment est-ce qu'il faut les ramener à la jeune génération pour les éviter vraiment de se retrouver dans d'autres mains, vraiment insalubres quoi. Sinon, nous avons même des documents que nous avons en tout cas élaborés par rapport à ces jeux-là. Et comme j'ai dit, pour faire ces activités, il faut... des moyens, et les moyens généralement aujourd'hui, nous sommes une direction, donc dans nos missions c'est vraiment l'appui conseil, mais c'est aux associations vraiment de voir comment porter ces activités là avec les collectivités, et comme j'ai dit, nous serons là comme techniciens et nous pouvons les orienter vers vraiment ces jeux là et essayer de voir comment est-ce qu'il faut en tout cas encadrer la jeune génération pour qu'on puisse vraiment garder notre identité et voir qu'il n'est pas dit forcément de se livrer à la consommation d'autres choses pour être homme, quoi. Donc nous avons été formés par ces jeux-là et Dieu merci, nous en félicitons. Pour dire qu'en dehors du sport, il y a d'autres activités qui peuvent retenir les jeunes et les occuper pour ne pas se donner à des activités indécentes. Et monsieur le directeur, est-ce que vous avez au niveau de votre direction d'autres activités que vous êtes en train de mener présentement? Alors, encore une fois, comme je disais, j'avais rappelé en son temps, au niveau de Radio de Gao, la mission de la direction. Est-ce que beaucoup essaient de ramener la mission de la direction à les voir organiser des activités, des manifestations par-ci par-là? Alors donc, je rappelle que dans nos missions, c'est vrai que nous sommes là pour la promotion de la culture. Et la promotion se fait effectivement par des activités. Mais aujourd'hui, au niveau des directions, nous n'avons pas ces budgets pour faire des activités. Et si vous essayez de vous rappeler un peu, depuis 90, sinon depuis le coup d'État ou bien l'avènement de la démocratie, l'art a été libéralisé. Et l'art étant libéralisé, aujourd'hui, pratiquement si vous faites un tour d'horizon, vous allez voir que les 90 ou 95% des activités culturelles qui se déroulent sont portées par des associations. Difficilement vous allez voir une institution faire une activité, en tout cas dans ce domaine-là. Okay, donc c'est aux associations aujourd'hui de porter, en tout cas les activités qui puissent... Donc au niveau de la direction... si vous voulez, de façon, en tout cas générale, ce qu'on reconnaît au niveau des directions, c'est la biennale. Et la biennale étant une activité nationale financée par l'État, c'est en quelque sorte la seule activité qui appartient, en tout cas qui est exécutée au niveau des directions. Sinon, les autres activités qui se passent dans la ville, dans les communes, c'est vraiment porté par les associations, mais notre touche technique est toujours là tant qu'elle est sollicitée. Et
Parlons des autres cercles de la région, Gao, Ansongo et Bourem. Et au niveau de ces cercles, est-ce qu'il y a, vous avez des représentants là-bas? Et comment se fait le suivi des sites touristiques et des activités culturelles? Bon, c'est un peu là où le bât blesse, parce que depuis 2010, nous sommes confrontés à ce problème de personnel. Et à l'époque, en tant que directeur régional de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, face donc à cette absence de cadre dans les différents cercles, je m'étais vu obligé de débaucher, entre guillemets, des enseignants, que j'ai fait jouer le rôle d'animateur du cercle au niveau de Menaka en son temps, de Bourem, d'Ansongo et même de Gao. Donc c'est pratiquement des enseignants qu'on a pris qui sont en train de jouer jusqu'au moment où je vous parle le rôle d'animateur de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Donc c'est comme si Dergisac est resté encore au niveau des cercles jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas de personnel, ni la direction de la culture, encore moins la direction régionale de la jeunesse et des sports. Nous n'avons pas d'agent vraiment au niveau de ces cercles. Mais nous nous sommes fait représenter par ces éléments dont je parle, qui ont été mis en place, enfin qui ont été nommés à ces postes-là depuis 2010. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous avons un apport de la GIZ dans le domaine de la culture. Il s'agit de Donko Nimaya. Et au moment où je vous parle, au niveau de la région, nous avons reçu un financement d'à peu près 235 millions pour les centres et espaces culturels et les maisons des jeunes à Ansongo, à Gao et à Bourem. Donc nous sommes dans l'exécution de ce projet. Et présentement, je crois qu'il y a 24 heures, ils ont terminé une formation par rapport à ce projet-là. Monsieur le directeur, vous a parlé de la décentralisation et la décentralisation, on sait bien que c'est l'implication des collectivités dans la gestion des affaires. Est-ce qu'au niveau de la direction régionale de la culture, ou je veux dire par rapport à la protection et à la promotion de la culture, quel est le degré d'implication et des populations et des collectivités? Alors, je crois que le problème, c'est à ce niveau. C'est vrai que depuis 2016, si j'ai bonne mémoire, il y a un décret qui transfère les compétences de la culture au niveau des collectivités. Et dans l'application de ce décret, au niveau de Gao, nous avons le musée, c'est-à-dire au niveau des infrastructures, le musée qui a été transféré aux collectivités. Mais comme je dis, les compétences sont transférées, mais c'est les ressources qui font encore défaut. Donc on a ce problème. En tout cas, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu quand même d'accompagnement, en tout cas de ce nom, pour dire que bon voilà, telle activité ou bien tel projet est là par rapport à la culture et qui est supporté par les collectivités. Nous sommes dans la réflexion. Comme vous avez parlé, je crois que vous allez en venir sûrement des manifestations qu'on doit avoir peut-être au niveau de la région. Il en manque ces événements de grande envergure qui doivent fédérer toutes les communautés de l'intérieur comme de la diaspora que nous voyons dans certaines régions du Mali. Cela manque à Gao depuis, en tout cas, je ne sais pas s'il faut dire le déclin ou en tout cas la disparition du festival Songoï, qui était vraiment un cadre où pratiquement toutes les communautés de la région se retrouvaient, alors qui a pris du plomb dans l'aile. Nous sommes en train de réfléchir au niveau de la direction pour voir si nous pouvons présenter quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau de la commune urbaine, voir si nous pouvons être accompagnés par la mairie pour que nous ayons quand même une activité qui puisse être en tout cas perpétuelle, je veux dire, en tout cas qu'on puisse avoir chaque année pour vraiment faire rassembler
tout le monde pour aller vers cette cohésion, cette paix qu'on recherche tant. Parce qu'il faut vraiment des cadres où les gens peuvent venir échanger à travers des débats, des conférences, pour parler de notre culture, pour montrer vraiment à la face du monde que nous sommes là et nous arborons fièrement vraiment notre culture, notre identité culturelle. Donc il faut vraiment un événement comme ça. Je crois que au niveau des associations qui sont au niveau de, en tout cas de la communauté du Songo et de Gao, tout le monde, voilà, toutes les composantes, j'espère que pour la région, ils vont essayer de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il faut trouver vraiment ce cadre-là pour vraiment fédérer les gens. Parce que cela manque cruellement, comme j'ai dit, et aujourd'hui c'est les associations qui portent les événements. Ça, il faut que les gens le comprennent, ce n'est plus le temps où à la direction on est capable d'aller prendre quelqu'un et le forcer à faire ce nom. Aujourd'hui c'est les associations qui doivent vraiment porter l'identité, la culture. Monsieur le directeur, il n'y a pas d'action sans difficulté. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles sont confrontées la direction régionale de la culture de Gao? Bon, la direction régionale de la culture de Gao, comme j'ai dit, c'est vrai que toute entreprise humaine a besoin de ressources humaines d'abord. Cela manque, parce que comme je viens de vous le dire, au niveau des cercles, nous n'avons pas de représentation, surtout qu'aujourd'hui, nous avons Al-Mustrat qui va s'ajouter à Gao. Alors, au niveau de la direction, c'est vrai que normalement, la direction doit avoir à peu près 22 éléments, 22 agents, je veux dire. Mais aujourd'hui, peut-être que nous sommes les mieux lotis. Nous sommes à peu près avec 5 fonctionnaires, puis 2 ou 3 collègues contractuels qui sont là. Donc, c'est peu pour la région. Parce que nous avons 3 divisions. Chaque division a au moins un chef de division catégorie A. Mais normalement, on doit avoir des chefs de section, des animateurs, des chargés. Malheureusement, on n'a pas ça. Ça, c'est la direction même. Maintenant, quand vous prenez les cercles, comme on l'a dit, il n'y a personne. Donc, non seulement il y a ce problème de ressources humaines, mais il y a également le problème d'équipement, le problème de mobilier, tout ça. Donc, vraiment, nous nous débattons tant bien que mal. Et comme j'ai dit, malgré cela, nous sommes en train de coacher, par exemple, des associations qui viennent nous consulter. Et nous avons bouclé, je crois, au moins 2 ou 4, comment dirais-je, associations que nous avons coachées, jusqu'à ce qu'ils ont eu des financements. Et on est parvenu à faire quand même quelques activités au niveau de la direction. D'accord. Et, monsieur le directeur, quel est le lien entre la culture et la paix? Parce que nous sommes en train de parler de paix, de cohésion sociale et de tout. Ces aspects qui amèneront les Maliens sur la même table. Ah, voilà. Je l'ai dit comme depuis 2014, bon, 2013, quand nous sommes retournés après qu'on ait chassé les occupants, nous nous sommes toujours dit que cette crise que nous vivons est purement culturelle. Parce que aujourd'hui, quand c'est les communautés qui se font d'eau, là il y a problème. Donc pour nous, il s'agit de parler aux communautés, de leur faire rappeler ce que nous étions, ce que nous avons hérité de nos parents. Nous les avons trouvés vivre en paix, une cohésion qui est là, un vivre ensemble. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions continuer cela. Donc pour qu'il y ait la paix, il faut qu'entre nous d'abord, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse en tout cas voir dans la même direction. Et aujourd'hui, comme je le dis, si vous prenez toutes les activités qui se font dans le domaine de la réconciliation, par exemple, dans la recherche de la paix, ont un socle culturel. Toujours, c'est des rencontres intercommunautaires et le socle sur lequel se trouvent ces rencontres-là, c'est toujours soit autour du Takamba, autour du Tende, autour de... ainsi de suite. Donc, forcément, il faut ça. Et les valeurs, les paroles qui sont, en tout cas, dites au cours de ces rencontres-là, sont des valeurs culturelles qu'on rappelle aux gens.
on rappelle comment est-ce que nos devanciers ont pu maintenir cette paix-là. Donc tant que nous ne retournons pas à ces valeurs-là, on ne pourra jamais avoir la paix. Et comme j'ai dit, je crois qu'au niveau du ministère de la Culture, ils sont dans cette démarche-là. Ils sont en train d'élaborer un document, une charte des valeurs, qui, en tout cas, qui va essayer de tracer les lignes, hein, les pistes, disons, pour atteindre, n'est-ce pas, cette paix-là. Donc c'est la culture qui est utilisée pour aller vers cet objectif. Et on est là-dessus. Nous avons été contactés pour essayer d'apporter quand même, en tout cas, ces informations à travers des enquêtes qui vont être menées auprès des communautés, qui vont remonter au niveau du niveau national et essayer de voir comment cette charte-là va essayer, en tout cas, d'atteindre cette paix, cette cohésion, ce vivre ensemble, cette réconciliation que nous cherchons. Donc la culture et la paix sont vraiment deux binômes qu'on ne peut pas séparer. Deux binômes qu'on ne peut pas séparer. Monsieur le directeur, vous croyez que si on exploite le côté culturel du Mali de façon générale, et particulièrement de la région de Gao, on pourra sortir la tête et avoir la paix? Oui, comme j'ai dit, la culture c'est vraiment la clé. C'est la clé de cette crise. Parce que vous prenez, tout de suite on en causait, en off, vous prenez une famille, vous allez retrouver toutes les autres composantes de la société. Donc il n'est pas de raison à ce que cette paix-là qu'on cherche ne puisse se retrouver avec nous. Donc c'est à nous, en tout cas, de laisser nos égaux, de laisser nos différends, pour nous mettre à table, pour voir de façon vraiment lucide que c'est-à-dire que tout ce que vous cherchez, vous l'avez en moi, et ce que je cherche également, je l'ai en vous. Donc nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, donc on est obligé de s'asseoir, de parler, de communiquer et d'aller vers un but commun. Et ce but commun, j'ai dit, c'est la recherche de la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Si aujourd'hui on crie comme quoi on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, ce n'est pas dans la guerre qu'on va l'avoir. Il faut qu'on cherche la paix. Quand on a la paix, on peut aller vers le développement. Il n'y a pas de développement sans paix, sans culture. Monsieur le directeur, nous sommes nostalgiques des semaines scolaires, culturelles, scolaires, communales, régionales et nationales. Est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment sur ces aspects? Bon, comme je vous dis, au niveau institutionnel, c'est-à-dire en tant que direction, nous n'avons qu'une activité, c'est la Biennale artistique et culturelle. Et la dernière, c'était en 2017. Donc, c'était programmé pour 2020, mais malheureusement, ça n'a pas lieu. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, je vous avais parlé de coacher des associations. Nous avons coaché des associations qui ont eu des financements par rapport à ça. Et nous avons organisé au niveau de Gao une semaine interquartier, je crois que c'était au mois de novembre passé ou décembre. Et au niveau des scolaires également, nous avions organisé des séries de sketchs, de poèmes, ainsi de suite, au niveau de ces écoles-là. Donc, comme je dis, en fonction des moyens, la direction est en train de faire, en tout cas, son mieux. Mais la grande envergure, ça, c'est l'État qui peut supporter cela. Et ça, comme j'ai dit, l'État, et je crois que peut-être que vous êtes au courant, on a essayé d'institutionnaliser la Biennale. Ça veut dire que ça va désormais être au niveau du budget national. Donc, on a plus, ce n'est plus le moment où on va courir pour chercher. Donc, dans le budget, ils vont programmer que bon, il y aura Biennale cette année. Donc, les ressources vont être mobilisées pour éviter à ce que l'on soit dans l'indécision, tout ça. Donc, c'est un peu ça au niveau quand même de la direction. Mais, comme j'ai dit, au niveau des associations, nous faisons ce même au niveau de, pour vous dire, enfin, pour revenir un peu à ce que nous avons fait jusque-là. En 2014, nous avons eu un petit appui auprès des Danois, la DRC, je crois bien. Donc, nous avons fait une formation
sur la restauration de l'autorité des chefs traditionnels et coutumiers. Donc déjà en 2014, nous avons pensé que c'est la culture qui doit être... Vous étiez devant... On était un peu en avance, Par rapport à l'État, qui est venu récemment reconnaître l'autorité traditionnelle. Tout à fait. Parce que je m'étais toujours posé cette question. J'ai dit, je ne peux pas comprendre que des missions arrivent dans une ville ou bien dans la ville de Gao et que l'on ne puisse pas aller rencontrer le chef Songo et le chef Arma avant toute activité. Donc ça me tenait à cœur, donc j'ai dit, donc la première des choses qu'on va faire après notre retour, donc c'est d'organiser ça. Et j'ai fait cette formation donc pour vraiment montrer que l'autorité des chefs traditionnels et coutumiers, et là nous avons regroupé, je crois, les chefs de Gao et de Goussi, qui s'étaient retrouvés à Gao, à l'école des infirmiers, nous avons fait cette formation-là. Donc, comme j'ai dit, on a continué parce qu'on s'est dit que bon, si l'État n'est pas là, il faut que nous réfléchissons calmement. Au niveau de la direction, nous avons réfléchi, comme j'ai dit, ça c'est 2014. En 2015, nous avons fait un projet pour équiper l'orchestre. En 2017, nous avons eu avec l'église norvégienne un projet pour sensibiliser les jeunes filles, bon, disons, pour sensibiliser sur les VBG. Et en 2019, on avait eu, comment dirais-je, un projet avec l'Union européenne pour essayer de sensibiliser vraiment sur le dialogue interculturel, ainsi de suite. Donc, bon, des petits projets qui nous permettaient quand même vraiment d'avoir le contact avec un peu les communautés. Bon, comme j'ai dit, ce n'est pas de grande envergure, peut-être que les gens ne voient pas ça, mais nous avons passé dans les communes, les quatre communes, sinon les sept, mais on a pris les quatre communes sédentaires, et on a fait ces activités. Nous avons une page Facebook d'RC Gao, donc les gens peuvent essayer de voir ça pour voir vraiment les activités que nous faisons. Bon, comme j'ai dit, ce n'est pas la grande envergure, mais on ne s'est pas laissé faire. On s'est dit, il ne faut pas qu'on soit là. Mais peut-être le cri de cœur, ça va être peut-être à la fin de l'émission, je ne sais pas si... Oui, il y a une question avant d'arriver au cri de cœur. Monsieur le directeur, vous êtes également président de la Ligue de basketball de la région de Gao. Comment se porte le basket à Gao? Bon, le basket à Gao se porte tant bien que mal. Seulement, il faudra quand même faire un peu... ce distinguo entre les années nostalgiques pour certains, où Gao était une des régions qui rivalisait directement avec Bamako, pour la génération qui a eu à faire les biennales scolaires. Et chaque fois, Gao était en finale avec Bamako. Et c'était des jeunes qui avaient reçu de très bonnes formations. Aujourd'hui, ce n'est plus le même... Ce n'est plus le même engouement, ce n'est plus, disons, le même amour, ce n'est plus les mêmes réalités. Parce qu'avant, on venait jouer parce que ça nous plaisait, on venait défendre parce que c'est chez moi, je vais défendre chez moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses derrière la tête. Et les jeunes pensent qu'en le faisant, on le fait pour les dirigeants. Alors que quand on fait du sport, on le fait pour soi d'abord. Et aujourd'hui, je crois qu'ils suivent l'actualité, ils voient ce que prennent. Si nous prenons le côté du football, il voit ce que les gens prennent comme argent, ce qui n'existait pas dans les temps qu'on a connus. Donc, nous sommes en train de voir comment accompagner les jeunes. Et en essayant, comme j'ai dit, ça nous fait un peu de temps quand même au niveau de l'administration du basket. Nous sommes en train de chercher à sortir pour permettre aux jeunes vraiment de se prendre en charge et de voir comment faire évoluer et faire renaître ce souvenir-là pour que les jeunes, enfin les vieux, puissent se dire que... Ah, il y a des jeunes après nous qui sont en train de faire sortir le nom de Gao. Donc c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, mais je crois que on va, à partir de ce mandat-là, voir comment vraiment faire corriger vraiment ce qui n'a pas marché et inviter les gens vraiment à accompagner ces jeunes-là pour leur éviter vraiment de se diriger vers d'autres zones vraiment sombres qu'on ne veut pas. Donc, j'espère que la population va nous écouter. Et ce qui s'est passé vers la fin de la saison, la non-participation de Gao à la montée en première division et à la Coupe du Mali, vraiment, ça ne doit plus arriver. Et comme je l'ai dit, les tests sont là. C'est que jusqu'au niveau où on devait venir, c'est les autorités régionales qui devaient prendre en charge le transport.
charge qu'au niveau de la Ligue, nous avons toujours pris pendant 8 ans le transport à travers les fonds qu'on nous envoyait pour le fonctionnement de la Ligue. Donc j'espère que la communauté de Gao saura en tout cas venir en aide pour que cela ne puisse plus arriver. Monsieur le directeur, nous arrivons pratiquement à terme de cet entretien. Nous allons vous laisser le micro pour dire à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre le cru de cœur ou le message du directeur régional de la culture de la région de Gao. Voilà, merci bien. Donc le cri de cœur, si c'est un cri de cœur, c'est encore une fois que je suis jaloux des grands événements qui se déroulent à travers le pays, dans les autres régions. Donc, comme j'ai dit, nous ne pouvons faire qu'un appui conseil. Un appui conseil, aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai dit, c'est les collectivités, c'est les associations. L'art est libéralisé, on ne peut mettre une camisole de force à personne. Donc, celui qui pense que l'amour de Gao est là, peut vraiment nous dire, bon, voici l'idée que je sais, quelle est l'appui technique ou l'appui, en tout cas, conseil que vous pouvez me donner pour que je puisse vraiment mettre cette idée-là, pour que ça puisse servir la région. Donc nous sommes là par rapport à ça. Mais j'ai dit, c'est au niveau de Gao, au niveau de ceux qui ont choisi d'être artistes. J'ai dit, il faut que ceux-ci-là se mettent ensemble, avoir une fêtière qui soit en mesure de postuler à des projets. Aujourd'hui, il y a des fêtières qui postulent à des projets de grande envergure pour quand même faire une certaine visibilité de notre culture, de notre identité culturelle. Donc c'est ce cri de cœur-là, de ce rassemblement, en tout cas dans une fêtière, pour porter la culture. Comme j'ai dit, on est là, nous pouvons toujours apporter. C'est vrai, nous sommes natifs de Gao. Nous sommes prêts à aider. Nous sommes prêts à aider. Mais il faut que ceux qui ont choisi d'être, en tout cas artistes, qui ont choisi de défendre la culture de Gao, puissent vraiment se manifester pour que nous puissions apporter notre pierre. Comme j'ai dit, la nuit de Gao qui s'organise à Bamako, c'est formidable. De la même manière, à Bamako, d'accord, mais la nuit de Gao à Gao, ça a encore plus de sens. De sens. Donc, comme j'ai dit, peut-être les organisateurs m'entendent, ils nous consultent souvent, mais je souhaiterais vraiment qu'à l'avenir, on puisse transporter vraiment la nuit de Gao à Gao, pour que vraiment, que ça soit le lieu où on puisse vraiment rassembler tout le monde. Voilà, merci monsieur le directeur régional de la culture de Gao, Ablaye Hachiboukoum était notre invité du jour. On vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour un autre invité du jour. Merci et bye.